août 2020, gagne yon bras de fer, gagne yon conflit, si nous disons comme ça, entre l'école de droit et des sciences économiques de Gonaïves et le rectorat de l'Université d'État d'Haïti. À la base de ce conflit, de ce bras de fer, selon jugement rectorat, Université d'État, guerrier Dieu seul, depuis un bon bout de temps, c'est corruption à grande échelle qui caractérisait gestion financière, académique, administrative, école de droit et des sciences économiques de Gonaïves là, en pile monde connaît sous nom EDSEG. À l'issue de ça, l'université a tiré les états généraux, puis vos instances dans UEH là, réunis et puis ont décidé, y a initié des réformes en dans différentes entités dans l'université, mais également différentes écoles de droit qui relevaient de contrôle UIH là, qui dans différentes villes provinciales, notamment l'école de droit et des sciences économiques de Gonaïves, irresponsable, dit y a nommé guerrier une commission de restructuration pour initier, j'en ai dit tout à l'heure, des réformes en dans l'Itsegla, en dans l'école de droit, pour aller changer bagaille. Là, nous sommes en 2021. Il était question de remplacer l'équipe qui dégaine en tête Daniel Dupiton, en pile monde qui c'est monde Gonaïve, en pile monde qui fréquentait l'école de droit, qu'on est de qui est-ce n'a pas là. C'est quand même une figure emblématique de l'école là, Sandra Gabrielé, ancien homme fort, c'est une dit ancien homme fort, pardon, ancien homme fort de l'école de droit. N'a pas songé, conseil exécutif Université d'État t'a adopté ensemble deux décisions dans ce même chapitre, dans cette même veine. Un, tu as pris une décision pour te suspendre, guerrier, toute activité académique dans l'école de droit et des sciences économiques de Gonaïves là, une date de départ décision ça ou dédié jusqu'à nouvel ordre. Deux, yo t'ai nommé une commission de restructuration dans tête l'école là qui est la commission de restructuration de l'EDSEG qui te gagne là dans lui maître Dufresne Guillaume comme coordonnateur au rang de directeur de l'école. Te gen la dan li met Yudlin Chérizar Joseph, vice-coordonnateur au rang d'assistant directeur de l'école. Te gen la dan le professeur Eugène Joseph qui était nommé conseiller de la commission de restructuration. Et quatrième décision qui était adoptée dans l'époque sa guerrier, c'était permettre que l'administration EDSEG là et dans l'époque là joue le rôle de responsable sauvegarde bien l'école là en attendant pour ne citer nomination de un nouveau secrétaire général et au dit administratif là t'a gagné pour le bail rapport directement à directeur l'école là qui s'est mettre du fin d'hier. Nous songer en pile parler bagaille ça fait quand même, c'était un jeu de correspondance non niveau entre le rectorat de l'Université d'État d'Haïti et l'École de droit et des sciences économiques de Gonaïves. Le rectorat a soutenu notre lit, a pris des positions officielles, a envoyé des correspondances.
de son côté Edzeg lui même a sorti note li qui va rien pour avec notre Torah à prendre des décisions etc. Ancien dirigeant Edzeg dans l'époque là dit c'est blague Torah ben. Et ils combattent commission et jusqu'à minute n'a pas la guerrier du seul commission ça n'a pas là pas déjà arrivé investi espace là voir où t'as commencé travail et puis rempli mission comme ça doit qui s'est commencé initier des réformes en dans l'école là. Entre-temps guerrier du seul école de droit et des sciences économiques de Gounaï va poursuivre avec activité si mon a rentré quoi faire gain séminaire gain examen gain graduation mais premier gros frappe rectorat université d'état bail de col droit Gounaï la guerrier du seul n'a pas songé c'est là il te dit li pas reconnaître aucune évaluation aucun papier aucune soutenance mémoire à partir de septembre 2020 sous fait ça yo avant septembre 2020 ou peut-être pas gagne pour avec décision ça mais si c'est à partir de 2020 jusqu'à je dis à guerrier du seul l'école doit dire pas reconnaître ça donc c'est toute une promotion ou à rentrer dans l'école là ou composer ou suivre séminaire ou finir yo bon diplôme de fin d'études ou bien yo ba ou relevé de notes ou al soutenir yo bon procès verbal soutenance etc pour l'école de droit pas pour l'école de droit pour le rectorat de l'université d'état d'Haïti ou pas en rien. Yo pas reconnaître tout comme monde qui fait droit comme monde qui diplômé comme monde qui suit cours guerrier depuis ou t'es dans l'école de droit sorti septembre 2020 pour arriver dans dernier moment où la guerrier c'est malgré préoccupation ensemble d'étudiants yo dans époque là guerrier responsable d'alors yo t'es dit yo était tête frette avec occupé yo tout bas l'Algérie avec Port-au-Prince et peut-être des petits désaccords des petites mésententes etc. Et pour rector à l'université d'État, te montrer le sérieux dans l'époque la guerrier était seul. Yo vinn faire commission restructuration non seulement à travail, bien entendu par le biais de son coordonnateur, mais yo ba l'impression, pas ba l'impression. Il devine presque en réalité parallèlement à l'école de droit et des sciences économiques de Gounaïv là, qui Gounaïv, gon l'autre exec qui a fonctionné pour le presse parce que tout rendez-vous que commission a devine bail toute salle de bail comme rendez-vous guerrier c'est des Port-au-Prince donc c'est comme si nous devinons au moment devine gain deux l'école droit bon l'école droit qui Gounaïv qui dans local et habituel qui dans fief li bon l'autre l'école droit lui-même qui Port-au-Prince après sur l'école droit Gounaïv pas faculté de droit et des sciences économiques nous connaît non FDS non bon l'école droit Gounaïv qui lui-même c'est petit si nous sommes capables de dire comme ça, le toit c'est lui, le toit le bonnet. Ah, vous comprenez. Mais c'est pour noter bien. Absolument. Laisse ça, un paquet de petits monde qui a fait des études dans l'école, le droit des Gounaïv là qui commence dans la grosse confusion. Il ne faut pas comprendre ça. Mais n'empêche que, ils ont continué à aller à l'école, ils ont continué et répondre à des invitations de l'école de droit et des sciences économiques de Gounaïv, soit pour convoquer pour examen, ou bien pour projeter séminaire, ou bien tout. Là, on a besoin de l'autre papier qui vient pour avec activité qui a mené en dedans. Et c'est la guerre du seul. Et n'a pas songé, le ni rectorat, ni ancien dirigeant, ou bien dirigeant d'alors, on a dit que la thérapie comme ça, gagné. On note qui était sorti, guerrier, en bas coup de plume, président, commission qui a géré Edzeg là dans l'époque là, qui c'est maître Octelus d'Orvilliers. Là nous sommes, si nous ne nous trompons pas, en octobre 2021. Côté où dit, direction l'école de droit, ses économies Gounaïv, a informé tout étudiant, communauté en général, que l'école de droit et des sciences économiques de Gounaïv là, a fonctionné en Gounaïv. C'est ton pinga.
et on dit nulle part ailleurs. Avec des affaires, disposition qu'a prend pour Port-au-Prince, qu'a dit comme ça que pour ti moun yo vinn di ceci, ti moun vinn faire cela pour entrer en contact avec bureau cela, bureau ceci, on disait blague. Tout ça qui est pour régler, tout régler, mon naïve. Et on dit en parlant de notre ça que direction a condamné, n'a cité énergiquement toute tentative qui visait utiliser non exègue là à d'autres niveaux et en d'autres villes à des fins académiques douteuses et subversives. Là, il a tiré à boulet rouge sur l'initiative, monsieur Godogressio, de prendre pour te détacher de l'école de droit de Gounaïve là. Avait dit pendant l'école là, toujours l'école de droit de Gounaïve là, mais attention, le Gounaïve va consulter le recteur à l'époque là, mais il est bon. C'est ça, tu es poussé responsable à l'époque là. Et qu'on a comme ça. Elle enjoint la cité au tenant de ces pratiques, c'est-à-dire les gens qui ont des pratiques, ça y est, à complicité, pour faire ramper sous méthode ça. Attention, mais ça peut être plus intéressé dans notre là, sous peine d'être poursuivi au nom de la loi. Dit, si les gens ne sont pas ramper, pensez que vous mettez l'autre école de droit dans l'autre ville, parallèlement à l'école de droit et des sciences économiques de Gounaïve là, il y a possibilité pour vous poursuivre conformément à la loi guerrier. On a fini notre là. Tout en prescrivant l'esprit de dialogue qui seul reste la seule voie possible, si vous voulez, en vue d'un dénouement avec organes de contrôle là, en l'occurrence rectorat, eh bien direction école de droit et des sciences économiques de Gounaïve là, invité communauté en général, étudiants en particulier, à la sérénité et à la poursuite des activités académiques. Par contre, vous comprenez absolument. Ça, c'était quand même pour te lancer une mise en garde. Bye. Rectorat à travers la commission de restructuration qui a pris des initiatives parallèles à sa dirigeant à l'époque eux-mêmes, ils ont pris au niveau de la ville de Gounaïve. Maintenant, les vignes élections qui fait en dans l'école de droit des sciences économiques hein, de Gounaïve, ils ont passé de la commission de gestion exègue à une direction normale. Les ça. Mais tout est Luce d'Orvillien qui était président de la commission, vin directeur de l'école là tout carrément. Il nous songeait, il y a un document, maître d'Orvillien, lui-même, il était paraffé. C'était une lettre, il était voué par le rectorat pour lui demander un chit à parler autour de différents de désaccords qui existaient entre le rectorat et le décanat, si on dit comme ça. De l'école de droit et des sciences économiques de Gounaïve. Et on dit à plusieurs reprises, une tentative là qui est faite, malheureusement, le rectorat, pour une raison pour l'autre, selon ça qui dit, est fait la sous-d'oreille. Par contre, c'est le problème. Et Moun Mwendou, qui était signé pour répondre à ça, c'est Maïstrat d'Orvilliers, qui était président de la commission gestion INSEGLA, qui lui-même, après l'élection juin 2022, guerrier, qui devient directeur de l'école là. Il dit, il n'est pas normal. Pour relation rectorat avec des canards école de droit, yo tendu comme ça. Donc faut gagner des dispositions qui prend pour capable permettre une harmonie, pour capable venir gagner ça où t'es doué gagner. Il y a du sérieux. Et nous apprenons que rectorat pas de péter bah ressenti. Ah bah avancer. Entre temps, tension entre le rectorat de l'université d'État d'Haïti et les dirigeants d'alors au niveau de l'école de droit et des sciences économiques de Gounaïve l'a baissé, l'a monté, vous comprenez, l'a pris j'arrête certaines fois, l'a pas fait trop par la pile, des fois mon a pour nous dans le salon, mais le rectorat était toujours campé ferme sous position, guerrier du chef. Donc dans l'intervalle, le rectorat à l'université de l'État a réglé l'affaire balle et direct même a réglé l'affaire balle. Donc tantôt, ouais, étudiants qui préoccupés. Ils ont regroupé, ils ont fait des petites conférences pour dénoncer ça, après autant de dossiers à faire, ils ne vont pas parler de lui encore. Ou bien si le rectorat a sorti en note, ils ont estimé notre agréba et puis mon bouc, et puis au niveau des Gounaïve eux-mêmes, ils ont répondu à l'autre note, ne serait-ce qu'indirectement, c'est comme ça va la taille, de 2020 jusqu'à dernièrement là. Il y a un rebondissement qui devine gagner dans le dossier ça, et là nous sommes et à la fin de l'année 2023. Il y a deux seuls. C'est là, par exemple, gagner des étudiants avocats. C'est-à-dire, gagner des
d'étudiants finissants à l'école du barreau qui était sorti dans l'école de droit guerrier du seul, qui besoin prêter serment, et puis avec de nouvelles mesures que CSPJ et le ministère de justice te vin prend, bon bien entendu, yo dit, moi même pas ça m'a confirmé, c'est sous instruction électorale, yo vin pas prêter serment. Et nous allons dire qu'ils ont une nouvelle mesure, yé, et qu'ils ont une ancienne mesure, t'es yé. Et c'est là ça, dossier après le reprend, on l'autre. Et en pleure dans l'opinion. Qui ça l'a gagné des étudiants dans l'école de droit et des sciences économiques de Gouna Yves Laguerre, qui fait toute étude là, notamment la promotion 18-19. C'est-à-dire année académique 2018-2019. Donc d'ici 2023, qui était en boucle étude là, et qui soutenait mémoire. Et étudiants, ça y est, arrivé intégré l'école du barreau. Il y a qui veulent beaucoup naïfs, il y a tout qui allait dans l'autre barreau. Bien entendu, ils répondent à exigences spécifiques barreau en question. On y a voilà que ils font une école du barreau, ils suivent formation, ils doivent suivre la guerrière du seul. Et puis là, pour y aller prêter serment, ils disent eh, bah là-bas l'église n'est pas même jalter encore. Fuck. CSPJ avec ministère de justice mandé pour y aller prêter serment, fuck ils gagnent licence là, non mais oh, il n'est pas comme ça avant guerrier du seul. Compte tenu de retard qui te connaît gagner dans le processus pour étudiant guerrier du seul gagner licence là, et bien qui ça exige surtayé avant guerrier du seul depuis mon li soit présenté licence là ou bien li vini avec on fiche de dépôt côté le mandé pour licence là. Ou bien, il vient avec procès verbal de soutenance là. Ou bientôt, s'il vient à licence tout carrément, il y a une possibilité pour l'avancer. Pour l'avancer. Ça veut dire que c'est yon ça pour l'intégrer l'école Baoua. Pas l'école Baoua. L'offre une formation, on a fait prêter ses mains. Prêter ses mains. Ou bien, avocat, c'est matériel. Vous comprenez? Ça veut dire ou bien, il vient à licence là. Ou bien, il vient avec fiche de dépôt de demande de licence là. Ou bien, il est venu avec procès verbal de soutenance de la guerrière du seul. C'était yon ou l'autre, c'est comme ça qu'il était avant. Yes. Puisque, il y a des gens qui ont professé comme avocat guerrier, il y a des gens qui ont exercé métier avocat. Qui n'ont pas de licence, non? Attention. Tellement le printemps pour toi. Pas de licence, et pas parce que tu n'as pas à l'école oui. Ou bien tu n'as pas rempli les conditions. Demande en fait tout simplement. Tu fais toute l'autre démarche, mais pour résoudre pour l'autre instance concernée, pas de bail. Mais tu as toute preuve. On comprend que effectivement licence là il y a cours. Ça veut dire au fini avec étude là, il y a gagné tout le revenu de l'autre, il y a procès verbal soutenance, il y a fiche de dépôt pour demander licence là, etc. Eh bien, avec nouvelle mesure la guerrière du seul, je te dis clairement même sous faire l'école du barreau pour venir pour rester serment guerrier, faut gagner licence là pour gamin. Et étudier au cours, c'était une barrière que mettait pour eux parce que avec conflit qui devine gagner entre l'école du droit et des sciences économiques de Gonaïve là et le rectorat de l'université d'État d'Haïti qui te dit même pas signé dans aucun document que l'école de droit de Gonaïve là lui même li baille entre septembre 2020 et jusqu'à très récemment la guerre du seul. Donc monsieur dame ça yo était estimé que droit lésé et voilà pourquoi il a initié des mobilisations en série dans différentes villes y a évolué ou bien côté y a inscrit dans barreau guerrier du seul. Donc la cité de Badas qui c'est Gonaïve guerrier. Maintenant sorti 2023 pour arriver 2024, moi même personnellement je viens saisir des dossiers. Moi lis un ensemble de positions officielles du rectorat de l'université d'État d'Haïti. Moi parler avec de proches dirigeants, de sous-proches dirigeants et dans l'époque là de l'école de droit et des sciences économiques de Gonaïve là. Moi ouais, un ensemble de documents tout qui sortit en bas coup de plume ancien dirigeant ça au niveau de l'école de droit et des sciences économiques de Gonaïve. La correspondance mais c'est comprendre yo, moi parler avec des étudiants avocats, moi parler tout avec des étudiants tout qui à pas prendre toujours, ça veut dire que l'école a toujours qui pour finir. Moi je viens comprendre. On va regagner du seul. De côté, il y a le rectorat de l'Université d'État d'Haïti qui a même quoi
quelle que soit le ou la façon, il faut des réformes qui sont faites dans l'école de droit parce que vous estimez Jean Bagayou t'a fait là, yo pas bon et yo pas qu'à continuer comme ça. Et nous te dit au début, rectorat université l'État dit son gestion catastrophique qui gagnait de l'école de droit tant sur le plan financier, sur le plan académique que sur le plan administratif. Et yo dit c'est corruption qui caractérise gestion ça et yo croit que pour yo reconnaître Edsan et disait pardon comme une entité qui relève du contrôle de toi faut que forme le fait. On va dire avec ça. Mm. Mais de l'autre côté, il y a les dirigeants de l'EDZEG qui ont même quoi ils jouent dans certaines autonomies. Donc gonjan pratique la terre gonjan ba yoté qu'on fait avant. OK? Yo dit bon, c'est vrai, c'est toi qui organise le contrôle là, mais autonomie qui ont joué a fait que eux même le règlement yo, yo gagne pour avancer. Ils ont décidé de dire même pas prêt dicter dans mairie toi, ils pas prêt d'accord pour toi imposer rien. Et puis dans mi-temps, guerrier de seul, il y a les étudiants. Des étudiants qui rentrer sous concours dans l'EDZEG là, des étudiants qui allaient dans cours, des étudiants qui allaient dans séminaire, des étudiants qui rivaient composer guerrier de seul, des étudiants qui rivaient réussir, des étudiants qui rivaient soutenir mémoire guerrier de seul. Donc pendant d'un côté rectorat à l'école là, dans l'époque là, et de l'autre côté les dirigeants de l'EDZEG à l'école là, monde qui dans mitan qui paraît comme principale victime là, ce sont les étudiants. Carrément. Mm-hmm. Et moi-même, l'homme vient estimer que toute partie était sur la corde raide, et puis je viens regarder et me dit waouh, quid de l'école de droit et des sciences économiques des Gonaïves qui charrie toute histoire ça d'elle, qui rend pays à tout service ça. Je me dis quid de quantité de Simon, nos résidents qui n'ont pas habité Gonaïves, qui fréquentaient l'école de droit, qui ont monté les sangs, qui ont risqué, vous comprenez, fait 4 ans à peur. Fait toute qualité sacrifice. On dit, on pense qu'il faut une solution qui joigne. Nous pas prendre contre réforme de toi, de l'État. Mm-hmm. Parce que si il y a un problème pour guerrier, mm-hmm. si il y a un gavot vrai, si il y a un brigand vrai, faut que résoudre. Oui. Par contre, vous comprenez. Mm-hmm. Mais parallèlement guerrier, si il y a des étudiants qui rentrent, j'ai oublié de rentrer, on y a vu gagner un conflit on doit faire entre dirigeants et exécutifs et le rectorat de l'université d'État d'Haïti. Il n'y a pas de principale victime. Là. Mais il faut être à fond pour protéger. Et pourquoi mm-hmm. pas mm-hmm. Et pourquoi pas? Et première fois, nous avons parlé de ça en janvier 2024, guerrier de seul. Qui ça nous a préconisé? Nous avons préconisé un dialogue. Nous avons dit, quel que soit ça qui a motivé Yon ou bien l'autre partie, nous pensons que le grand bagaille qui doit intérêt commun, c'est l'école de droit et des sciences économiques des Gonaïves qui, je dis, son patrimoine guerrier de seul. Mm-hmm. N'a pas l'idée d'une institution centenaire. Okay. Par contre, vous comprenez, okay. Qui est plus grand que moi qui parle là, parce que l'époque même fin sur le même, qui est plus grand que responsable au niveau du rectorat, à mon sens, qui est plus grand que Mounio qui a dirigé l'école là, ou bien qui a chance de diriger l'école là au fil du temps. Donc, nous te croyons que fort bon côté pour différents protagonistes rejoignent eux. Pour initier des pourparlers dans le cadre de dialogue qui est ouvert et sincère pour joindre une solution à la crise. C'est ainsi que Guerrier de Seul, quelques temps après, le rectorat de l'Université d'État d'Haïti devine sous son nom une note. Guerrier. Mm-hmm. Dans notre là, il dit prêt pour parler avec des gens qui notent. Ok? Pour capable de joindre une solution à un problème ça qui existait là. Et nous autres, nous devons la guerrier sous son jeu, nous applaudissons. Alors, lundi là, c'est en bandé. Oui. En Richard maintenant. Nous applaudissons à deux bras nous. Mm-hmm. Nous disons c'est vraiment une très bonne décision de la part des responsables du rectorat de l'Université d'État d'Haïti. Nous disons bravo. Et nous disons qu'on y a l'irrité avec l'autre Mounio pour faire preuve de transigeance sans guerrier de seul. Oui. Et nous sommes très contents. L'ENTE apprend, tu as deux commissions qui étaient formées de part et d'autre. Une commission pour le rectorat, une commission pour le EDZEG, pour discuter. Et ils ont dit qu'ils ont passé près de 2 à 3 mois, jusqu'à 4 mois,
à discuter sur Google Meet. Tu vois, ça va les bases, ça va te donner Google Meet. Vous comprenez? En ligne. Je dis pas, oui. Il y a en ligne, il y a discuté, etc. Nous avons une prochaine émission pour nous venir, parce que nous avons des informations qui peut-être capables de nous à l'avenir, pour nous venir sur comment la discussion est déroulée. Mais ça n'a pas trop intéressé dans l'époque là, parce que ça qui était important pour nous, c'était une solution guerrier à conflit ça. Une résolution, si vous voulez, qui est capable de mettre fin avec et bras de fer ça entre l'école de droit et des sciences économiques de Gonaïves et le rectorat de l'Université d'État d'Haïti. Et puis, semaine dernière, guerrier, pendant nous focus sur l'actualité politique là, pendant nous parler de insécurité, etc., et puis nous tendons. Bon protocole de temps qui signe. Ça m'a pas consacré dans le protocole de la guerrier. Je suis tellement content d'avoir moins de monde qui est dans le protocole. Je suis tellement content d'avoir moins de étudiants de l'ETSEC. Je suis tellement content d'avoir moins d'intérêt direct dans sa capacité. T'as dit bien, ça m'a pas connaître. Qui ça qui. Qui ça qui est dans le protocole de temps. Parce que c'était sa position dès le départ. Je dis, je suis de tout le monde, je lis toutes les propositions officielles, je garde les correspondances, je garde les notes qui sont sur les guerriers. Je dis, la issue là, c'est dialogue. C'est chita ensemble, identifier les problèmes ensemble, résoudre ensemble, sans yon pas chercher gagner au détriment de l'autre là. Pour être capable de jouer une solution win-win. Et pour grand gagnant, c'est l'université. C'est l'école de droit et des sciences économiques de Gonaïves. C'est ça qui t'intéresse. Effectivement, le 3 juillet qui se passe là, nous apprenons un protocole d'entente qui signé entre le rectorat de l'Université d'État d'Haïti et l'école de droit et des sciences économiques de Gonaïves. D'après ça, il y a un document qui dit c'est un document ou bien son protocole qui vise à créer conditions nécessaires pour capable permettre que réforme et été initiée continuer. Et une forme ça j'aime dédier dans commencement introduction hein, c'était les plus hautes instances de l'Université d'État d'Haïti qui étaient exigées en vue n'a cité d'éradiquer question corruption qui ont été constatées dans gestion financière académique et administrative et zèn. Ils font cérémonie là dans local rectorat et puis moun Gonaïves simultanément font cérémonie et puis ils font connexion en ligne et aussi un document. Un geste de responsable qui a été revenu, par exemple, nous avons gagné M. Pierre Louis, qui lui-même était présent dans la commission, qui a parlé, qui a discuté pour l'université, pour le rectorat de l'université. C'est coordonnateur et unité juridique, le rectorat, si je ne me trompe pas, qui lui-même m'a demandé pour mettre des documents d'application sur des bases réelles, pour mettre des clauses protocole d'entente. En application et puis vous divorcer de manière radicale, absolue et irréversible avec toute mauvaise pratique qui t'a gagné avant yo et qui t'a fait exec lui-même descendre dans niveau ça et qui t'a paralysé activité dans l'école là pendant des mois, pendant des années. Il y a des seuls. Il y a recteur qui là, fils des hommes, il est très content, il a levé de pied, il a dit estimé, ça va l'aider, activité ou bien faciliter, reprise d'activité dans l'école là, dans de bonnes conditions. Un paquet de bagages qui est discuté. Moi, je suis content. Mais, après, je vais entendre un paquet de réactions. Des réactions, notamment, bon côté. Étudiants. Ensemble étudiants. Notamment des étudiants finissants de l'école. Qui est là, moi, qui dit non. Protocole de tout le pas bon, etc. Je dis, oh, qu'est-ce qu'il y a? C'est à ce moment, je dis, bon, forme les documents. Ou songez, l'un n'a pas parlé avec étudiants dans la guerrier de seul, par téléphone. Nous te dis, son dossier qui intéresse. Mais nous ne pouvons pas parler là-dedans sans ne pas connaître qui ça dit. C'est ainsi que nous allons au protocole là, nous chita, nous lisons, guerrier de seul, article par article, guerrier de seul. Son document qui gagne 10 chapitres. Qui gagne environ 26 articles, 25 à 26 articles, consacrés. Pour l'histoire et pour la vérité. Dans le cadre de la réforme, n'a pas lié, il y a des articles qui sont très intéressants. Parce que nous n'avons pas qu'à venir au bon matin pour nous dire bon, et pour nous dire pas bon. Par contre, vous avez étudié ça. Oui. Et leur position serait une position intéressante. Mais nous autres, comme nous qui avons dit cette langue, vous comprenez qu'il y a des barrières, nous n'avons pas qu'à venir là pour nous rejeter de revers de main ce protocole d'entente. Et nous, effectivement, dans la réforme, nous voulons faire dans l'école de droit, dans l'université, il y a des barrières qui sont intéressantes. Mais comme ça, tout guerrier,
bon ensemble article nous pouvait poser problème. Parce que écoutez, pourquoi ça protocole de tête là? Nous pas quoi, c'est parce que l'école a bien marché, ou d'accord? C'est pas parce que tout le monde est à l'aise de l'école là. C'est pas parce que tout le monde était en forme. C'est parce que des bons problèmes. Par contre, vous comprenez? Et problème là, il était impliqué plusieurs groupes. Ça n'a qu'à considérer comme des protagonistes, c'est vrai? Eh bien, le souci premier, lorsque nous avons entre des protagonistes ou bien entre des mouns qui impliqués dans le cas de crise, c'est résolution crise, il n'y a pas de débat sur ça. Au cas où je viens de l'autre bagage, on y a pour gérer l'avenir. Mais l'effet immédiat de un protocole d'entente, de un accord, etc., c'est résoudre le problème qui est gagné. Maintenant, si le protocole d'entente ça n'a pas lié, si l'accord ça n'a pas lié, l'arrivée joint et puis l'IJF fait des projections à l'avenir pour éviter problème dans reposer, mais problème réel qui gagne dans l'immédiat n'est pas résolu, nous pas raison d'être là. Yeah. Comprendre bien, protocole d'entente là vini, c'est parce que t'es un problème, c'est parce que t'es une crise, c'est parce que t'es un conflit, c'est pas vrai? Et t'es des protagonistes gagné le rectorat de l'université d'État d'un côté, gagné les dirigeants de l'école de droit et des sciences économiques de Gonaïves de l'autre côté, et au milieu il y a les étudiants guerriers de seul. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire tout ça nous t'a dit qu'il existait comme problème là, que l'on veuille ou non, il était affecté non au niveau mais non au l'autre, chaque groupe nous a eu. Maintenant si une solution qui a venu, donc il faut que solution, une solution win-win, comme si pour rectorat pas bas, mais pour Edzegla lui-même il n'est pas passé en papier, mais pour intérêt étudier autour par l'ISI. Par contre, vous comprenez? Très bien. On va voir un exemple qui c'est. On a regardé environ 3 à 4 articles. Nous ne pouvons pas prendre tout, parce que nous ne pouvons pas faire une émission sous protocole là. Mais sous des articles, nous estimons qui posent problème et qui des arguments que étudier ou venir avec eux, qui sont censés, qui méritaient que vous l'autre appréciation qui vous faites sur eux, qui méritaient que vous ayez analysé en profondeur, qui méritaient que vous ayez plusieurs facettes. On prend article 7, document ça, guerrier de seul. M'abli pour vous, guerrier. Les examens, pas oublier, décision, rectorat te prend pour ne pas reconnaître un yé, en d'aïe d'aigla, de commencer à partir de septembre 2020. Pour arriver. Pour arriver, les protocoles d'accord, ça pour le mettre en application. Ok. Donc, tout ça fait entre septembre 2020 et le signature protocole là, c'est les mêmes que nous allons considérer là. Très bien. Par contre, vous comprenez? Il dit, les examens de session seront systématiquement repris et organisés selon les normes généralement admises en la matière. Vous comprenez ça, vous l'avez dit? Ça, c'est le français qui a parlé. Si nous prenons une période de temps, le tout a été dit par reconnaître, eh bien, ni évaluation, ni papier qui signé. La période ça. Tout étudiant qui te pensait que vous avez fini suivre séminaire, vous suivez cours, vous pensez que vous avez fini et passer là en classe supérieure, bien en session supérieure, guerrier de seul, vous allez obligé de recomposer. Parce que le tout a dit de gagner la boîte dans la là, de recomposer les enfants. Ou pas tant de bagou naïf là? Non, Jacques Lende, bagou naïf. Salut Emmanuel, t'as dit bien sûr tout ça. Problème pour Emmanuel. Article 8 là, on dit ça, le dit guerrier. On dit article 8 là, dit les soutenances organisées au Gonaïf entre avril 2020 et juin 2024 seront intégralement et définitivement reprises suivant les standards en vigueur à l'UEA. Donc, on monde qui te soutenir, ou de conserver la soutenance, ou de intégrer l'école de base, c'est blague. Selon ce nouveau protocole d'entente. Et dans la promotion de Jean-Paul D. De là, qu'on discute. Mais bon problème là, guerrier. Bon problème. Ouais, bon. Gitsi moun là, moi gagné et certificat que baoua baio certain baou alors donc baou naïve là moi qui fait de très bonnes notes etc. Mon ça ou t'es rentré dans baoua c'est sous base
et pour ces verbales subtentions, vous levez des notes, etc. Oui? Voilà que vous êtes arrivé dans un niveau côté au plus proche métier avocat que au plus loin parce que vous étiez seulement bio assermenté, guerrier. Vous avez prêté serment. Et puis, on y a là, si vous êtes dans l'intervalle ça, en 2020, 10 avril 2020 et juin 2024, là, si vous êtes soutenu là-dedans, vous allez obliger de soutenir. Parce que le but, il va reconnaître. Il va reconnaître. Par contre, si vous voulez, on a allé, il y a d'autres articles encore. Bon article qui c'est article 18 là par exemple. On dit article 18 là, dit, il y a 18. Mais avant de 18 là, bon aller dans 15 là. N'abli la français. Pour éviter des conflits d'intérêts dans la gestion académique, les étudiants qui ont accepté de reprendre l'année académique 2019-2020 et qui se trouvent actuellement en 3e et 4e année participent aux examens programmés pour ce mois de juillet 2024 et éventuellement aux examens de reprise. Les dossiers seront transmis à la nouvelle direction de l'EDSEG pour les suites utiles. Je me finis l'article ça et puis mon petit Jean perdu me dit bon mal pas là avec des monde qui très impliqué dans le dossier. Et bien, au fond, ça y est, par rapport à ça que tu as discuté dans le premier temps et pour aboutir avec le protocole là, ça veut dire tout petit monde, il dit comme ça que dans l'intervalle ça, tout sorti fait pas connaître yo. Donc si vous voulez reprendre depuis le commencement année académique ça guerrier de seul pour jusqu'à ce que vous finissez dans niveau rivé à 3e ou 4e année, yo dit comme ça faut ou composer dans prochain examen pour aller là selon norme yo. Mais qu'on y a me demandé est-ce que tu nous allons retourner l'école en première année? Bien sûr, première, deuxième, troisième année, tout dépend de côté, mais c'est à partir de année 19-20. OK. Et ben on a dit ou va le recomposer guerrier de seul. Mais attention, hein, y a des fonds mains levées. Y a dit qu'on s'apprécie par session. Bon, ça va écrire dans le protocole là, nous, ça fait ça de l'autre source d'im. Par exemple, par session, ou bien 3 mois pour faire l'école, et bien au terme de 3 mois, y a l'évalué. Ou passer, ou pour aller dans l'autre année académique, là, on fait même genre. Donc, si sous 4 années, sous la 4e année, c'est 4 fois 3, 12, ça veut dire qu'il y a 12 mois là, on a fait retourner l'école dans le bureau de Gado. C'est ça, 11 ans midi, qui est très impliqué dans le dossier, mais qui n'est pas écrit dans. Il simplement mettre le vague comme ça, mais il n'y a pas de temps. Mais on dit dans le bureau, il y a 6 mois de théorie. Ça veut dire que chaque année académique, chaque étudiant a bien pour faire 6 mois pour retourner à le déposer derrière, sous l'égide de nouvelles dispositions. Et puis après, ça peut évaluer selon les normes. Et puis pour qu'on ait à passer, si peut-être qu'il y a une reprise de la reprise faite, et puis après ça, pour arriver, pour y arriver. Par contre, je comprends. Ah, c'est mieux l'amour, guerrier. Je n'ai pas le message concernant ça. C'est mieux l'amour, guerrier. Je vais aller voir l'autre article toujours qui pose des problèmes. Il dit les diplômes. Là, nous sommes au niveau de l'article 18. Les diplômes, les attestations et les certificats émis seront signés par la nouvelle direction de l'EDSEG. Compte tenu des procédures de validation de signature et autres démarches établies, un délai de 2 mois est prévu pour la mise en œuvre concrète de cette disposition. On ne pas après dernier phrase, on regarde avant. Mais comment ça me diplôme de fin d'études qui débat dans l'intervalle là? Donc on y a qui avenir, qui importance, qui valeur. Par contre, problème. Article 19 là. Le format de diplôme reconnu et accepté par le rectorat est celui conçu par la commission de restauration et donc officiellement en vigueur et en circulation depuis plusieurs années à travers l'UH. Donc je dis, document était préparé dans des canaries de là pendant la période ça, il y a des bâtiments, soit pour question relevé de notes, soit pour question de diplôme, etc. Eh et bien, le rectorat dit non, mon cher. C'est pas valable. C'est commission de restructuration qui travaille sur les. C'est ça, commission de restructuration qui a passé. Par contre, nous avons pris plusieurs autres articles encore. Mais en substance, qu'est-ce que Timounio dit? Timounio estime que le protocole d'attente l'enjoint, la principale victime, nan, c'est eux-mêmes. Ça veut dire quoi? Tout est par le rectorat. La grande crise guerrière du seul. Nous avons expliqué ça tout à l'heure, mais bon pour l'autre volet là dedans qu'on a. Qui impliquait plusieurs groupes, plusieurs secteurs, plusieurs mondes ou même plusieurs protagonistes. Là pour nous chiter ensemble pour nous résoudre crise de la guerrière. Ou d'accord, c'est pas ça qui va venir poser là qui va passer. Non. Ou d'accord, c'est pas ça l'autre là qui va poser là qui va passer.
C'est pas ça ou à imposer à qu'a passé. Toute solution à sous table là et puis solution qu'a beaucoup tout le monde non. C'est lui qui a passé. Parce que si c'est Sam Vlea qui pour passer guerrier, ça me pas tenu compte de position pour là, pas de besoin, chita avo, pas de besoin qui encore, pas de besoin de protocole de tête. Dégage juste sur son décision finale. Par contre, vous comprenez, non? Nous pas connaisseurs à la matière, mais nous avons fait deux jours, quand il y a un sauveur, quand il y a un Jérôme, au moins nous comprenons qui ça qu'on accord, qui ça qu'on protocole de tête. Comme le mot entente l'indique, entente. Nous entendons son bagage, entendons les informations que nous avons, nous disons, pas de rien dans ce sac de protocole. Dans ce temps, que ce n'est pas rectorat qui vient avec. Donc c'est la proposition entière du rectorat. Donc c'est comme si l'autre partie qui est impliquée dans la crise là, pas de rien, il a proposé. Tout au moins, ça le proposé, pas passé. Mais c'est là qu'on a un problème. Par contre, sous la langue, maintenant, c'est pas Dindi. Comprenez bien. Et je pense que c'est qui pral et mes interprétés samedi matin, mais n'a tout pour tes précisions. C'est pas Dindi dans l'intervalle entre 2020 et 2024 là, tout le monde qui rentre dans l'université a bien rentré. Nous pas dit ça. C'est pas Dindi entre 2020 et 2024 là, tout le monde qui soutenait en dans l'université a bien soutenu. Nous pas dit ça. C'est pas Dindi en dans intervalle ça tout le monde qui composé ou bien composé nous va dire ça mais on y a là faut le rectorat et les aides yo joine plus bon formule pour bon mécanisme pour yo capable réévaluer monde qui concerné yo si yo estime que des monde d'assure ou te prend la méthode mais si des monde guerrier qui consenti des efforts qui consiste des sacrifices guerriers. Mais il n'y a pas qu'à payer pour casser à pour dirigeants et dire à dirigeants de tout ta bataille. Oui. Par contre, vous comprenez, parce que dans l'intervalle, l'école a fonctionné, tu as des professeurs qui te dispensaient des cours. Bref, il y a un article qui parlait de possibilité pour payer personnel et université. On parle de dire, personnel et dire là, l'école là, guerrier. Côté, rectorat répond pour lui contribuer à hauteur d'une année. Parce qu'il n'y a pas de dépasser une année dans la dette là. Mais, ce qui base au pays, on va payer sur base de travail. Et pas vrai? On va payer sur base de fonds bancaires, c'est pas vrai? Qui ça a été fait? Et pas pour être dispensé? Pour qui vous avez fait pour gagner tout seul? C'est pour tout le monde qui a dit aujourd'hui ou pas reconnaître rien que tu as fait avec une période là. Donc, on a déjà perdu. Et parlant de payer dette, il dit que nous devons près d'une cinquantaine de mois. Professeur, mois, professeur et notre personnel. Et il dit que si le recteur n'a pas répondu, ça m'a dit à la ongoire, si le recteur n'a pas répondu pour payer tout le monde, tout le personnel, là, l'argent le doué, il y a des seuls, il dit que ça, et il dit qu'il est capable d'ouvrir tout l'autre côté, sauf dans le local. Là. Bon voice ta photo ancien dirigeant lui-même dit nouveau bâtiment rectorat et pas rectorat non l'école de droit des sciences économiques de Gounaïve là rectorat va mettre en dollar là-dedans je dis yo prêt pour yo faire la justice saisie de dossier problème hein oh ouais on l'autre ouais des possibilités là pour l'autre crise avait dit yo dit même l'autre des bon conseil de direction là on va retourner sur monde qui la donne yo bon conseil de direction bon conseil consultatif bien 10 gendar il est possible pour tout bagaille reprendre et puis il n'y a pas qu'à faire pour dans le local là. Parce que dans des conseils de nègres là qui étaient dans l'ancienne administration qui dit si vous n'avez pas payé personnel l'école là pendant tout le temps ça, donc il n'y a pas qu'à mettre pied dans le local. Dans le local là. Et il dit qu'il est prêt pour aller jusqu'au bout avec ça, il y a des choses. Donc c'est ça. Si vous avez dit aujourd'hui, il n'y a pas qu'à comprendre. Pour toute décision qui prend, toute disposition qui prend en dedans document, c'est pour pénaliser, c'est pour bafouer le droit, c'est pour mettre au sous-côté. Je vais vous exemple qui est simple. On prend des petits aujourd'hui qui, avec vous, le notre a fait master dans ces deux universités à l'étranger. Mais si vous avez soutenu, guerrier tout seul, dans l'intervalle, on a parlé là. Bon problème. Vous avez étudié, vous avez fait master. Je vais vous l'autre cas. On prend des petits qui ont fait droit avant
2018, avant 2019, avant 2020. Mais vous soutenez dans l'intervalle. Ça bon, so dit tout, soutenance pas valable. Et ça, c'est ça que vous dites, vous gagnez. C'est pas mon deal, non? Ah bon? Je vais vous dire, vous avez un monde qui fait droit depuis 2012, en 2008-2012, ou bien 2009-2013, ou pas comme ça. Il fait faculté linguistique appliquée parallèlement. Mais il vient à faire études à l'étranger, guerrier. Mais pendant le fait droit, l'école économique, et l'école de droit des sciences économiques de Gounaïm, c'est dans l'intervalle, ça, il soutient les mémoires. Donc, soutenance n'est pas gagné. Par contre, vous comprenez. C'est dans l'intervalle, ça, soutenir les mémoires. Donc, qui considération qu'on a fait pour nous dire. Nous ne sommes pas contre. Et des réformes, si vous voulez. Oui, il faut qu'il y ait l'autre qui mette. En dedans, il dit. Parce qu'il y a une façon pour nous capables de faire l'école là en vie, pérenniser, il faut que vous fassiez ce que vous faites. Mais qu'on y a là, si vous avez 11 gens qui ont fait avant que vous fassiez un paquet de zones, nous venons à des principes. Mais encore une fois, Johnny Ferdinand n'a pas qu'on rien. Mais Johnny Ferdinand a fait deux zones avec Jérôme. Et principe de la rétroactivité à gagner du seul. C'est comme si vous dites, tout le monde, à partir de ce sont des décisions dans la Radio Caraïbe, dit tout journaliste, tout employé, à partir de jeudi, qui vient travailler à 10h05, pour payer $100 comme pénalité. Comme pénalité. Mais six mois dernier, je suis venu à 10h30, est-ce qu'on oublie de payer $100? Non, à l'aise, est-ce qu'on oublie de payer $100? Non. C'est ça. Parce que vous venez avec disposition pour mettre le débarré. Mais on a fait le retourner. On a regardé qui est qui est venu avec 8, avec 10 heures, avec 11 heures, avec midi. Que tu as fait tout payer $100. Il dit à partir de ça. Donc on a si après la décision finale adoptée, quelques heures après, au lendemain, moi je suis venu à 10h05, à 10h10, là, les concerné. Mais si je fais 10 ans dans la boîte là, je fais tout 10 ans dans la guerre avant la décision, je suis venu à 11h. Est-ce que le conseil n'est pas? C'est ça, moi, mon qui compte lié, il est le principe de la rétroactivité de la loi. La loi n'est pas rétroactive. Il y a ou même qui oui. Chez mettre la loi. Je m'attends, oui. Vous dites que ça? Mais ça qui passe là. Par contre, vous comprenez? Oui. Donc, si vous avez estomacé. Donc, la loi n'est pas rétroagie. Rétroagie. Voilà. Je vais me chercher, mais je vais faire l'autre bagaille. Donc, moi, je pense que la discussion était nécessaire, mais après 3-4 mois de discussion, il y a un problème qui n'est pas résolu. Et si le problème n'est pas résolu, nous doutons fort que nous ne pouvons pas partir là pour l'autre épisode, guerriers et seuls, dans la crise qui était. Gagné au niveau de l'école de droit et des sciences économiques de Gounaïm. Bien entendu, il n'est pas encore trop tard. Parce que qui ça compte proposition et l'autre équipe l'a dit, l'autre groupe l'a dit, gagné de seul. Il te dit, ensemble étudiants qui concernent les gagnés, ils étaient capables de regarder le dossier, regarder dans quelles conditions ils étaient évalués, dans quelles conditions ils étaient soutenus. Maintenant, si ils estiment qu'il y a des gens qui ne respectent pas la procédure, qui ne sont pas remplis, et conditions guerrières, il y a juste écarté purement et simplement. Mais juste dit tout le monde qui était dans la période, ça, côté soutenu, côté à l'école, côté bon diplôme, côté qui a eu des notes, il n'y a pas reconnaître. Ça veut dire même Hervé Sétilus, Zamino, qui récemment a fait graduation pour le président, il a promotion ça. Pour rectorat, si vous le retournez là, il y a une première année, aller, oui. Si vous comprenez bien l'idée du protocole de docteur guerrier, il y a une première année, vous allez. Quitte à ce que vous avez dit, il a fait 3 mois pour l'apprendre et pour l'évaluer, il a fait 6 mois, il a fait un temps record que le pacte t'a fait s'il est dans l'école normale là. Mais c'est dans la première année parce que chaque année académique ça va faire temps. Pour les gens qui soutiennent encore les étudiants, le toit pas qu'on est, non? Les gens qui ont battu l'estomac, ils ont dit que c'est étudiant, avocat, ils ont passé l'école du bar, ils ont souhaité pour prêter ses mains. C'est une blague à bail. Par contre, c'est quoi? Et ça fait que si les protocoles de tête ça sorti, ça fait qu'il manque de mourir. Il y a Jésus. Nous-mêmes, nous pouvons réformer. Mais je pense que ce n'est pas fait de manière drastique et sans tenir compte de la réalité.
il y a Jésus seul. Nous d'accord les familles, parce que les gens qui n'ont pas fait baccalauréat. Donc il y a un problème. Les gens qui arrivent en 4e année, il y a Jésus seul. Ils vont chercher documents, ils vont comment vous faire rentrer là, non? Donc il y a un problème. Ils n'ont pas fait philo. Les gens qui arrivent au sénateur de la République, guerrier Jésus seul, nous avons quitté dans le droit pour naïve là. Quitté même dans le système de justice à guerrier Jésus seul. Monsieur pas fait philo, non? Mais il soutient même moi dans l'école bas, tout bas, oui. Là, c'est comme avocat. Avec des problèmes. Donc, si nous avons des problèmes, tu as un gabot, tu as un brigandage, il faut le résoudre. Mais, si nous tenons compte de ça, tu as servi comme dernier bout de l'eau qui renverse ces vases-là, il faut nous solutionner, mais pour nous solutionner, le guerrier Jésus seul. Ou pas qu'à écarter les protagonistes et pour même moins poser en matador suprême. Donc nous autres nous pensons que jodi a un protocole d'entente pour résoudre le problème qui gagne entre Edzeg avec l'université, avec toi l'université, assez bien. Nous applaudissons. Mais river jeune protocole tout pour renforcer un groupe et puis pour bafouer droit au l'autre groupe ou bien pour passer en papier revendication de l'autre groupe. Parce que ça, c'est quand même on méchanceté. Guerrier Jésus. Par contre, comment, comme c'est eux-mêmes qui ont une science là, comme c'est eux-mêmes qui ont une capacité là, comme c'est eux-mêmes qui ont moyen, par contre, comment vous allez voir ça? Même parce que guerrier, il faut que vous regardez qui ça a fait. Donc, en façon pour éviter. Pour l'autre épisode qui vient par là dans la crise d'âme, pensant qu'il y a résolu, et pourtant, la situation va compliquer davantage. Parce que guerrier Jésus seul. Il y a des petits qui étaient très sous de l'école de droit, malgré tant de dégâts de brigade là. Il y a des petits guerriers qui prennent l'étude là très au sérieux. Il y a des petits guerriers qui risquent la vie aux guerriers. Oui. Il y a des petits pendant toute période de l'ordre 2018, 2019, 2020, pour on a guerrier, cap fait route nationale numéro 2, pendant plusieurs fois dans l'année, il y a des petits qui kidnappent guerriers, il y a des petits qui font accident, il y a des femmes qui violent guerriers. Toujours dans l'idée pour aller chercher des petits morceaux de destruction guerriers. Toujours pour garder qui ça est capable de mettre en plus sur ça concerne les formations supérieures dans le pays. Donc, je pense que tout le monde a régulier. Ça me barre aucune référence, aucune donnée, mais je pense que tout le monde a régulier. Donc, juste décider de dire bon, ok, tout le monde est en période ça, ou mal passé, ou mal composé, ou mal évalué, papier mon pas bon. Bon, pour moi, c'est dur. C'est dur. Je ne sais pas si tu as commencé à le faire, comment ça peut faire, mais pour moi, c'est dur. Par contre, je comprends. Et les deux bonnes guerres aujourd'hui, si il y a des gens qui ont des revendications, vous comprenez, pour nous considérer. Nous avons conclu pour nous dire qu'ils ont nous sommes très intéressés jusqu'à matin à dossier ça. Pour qui ça? Parce que pour les gens qui connaissent nous, ils connaissent mon penchant pour l'éducation. Depuis que nous disons que c'est l'école où on va aller, guerrier, c'est le problème de l'école où rien, tout le monde connaît comment lever dans ça. N'importe quel côté comme là, je vais bailler. Parce que nous connaissons ça. Et je dis à qui font mon carton Johnny Ferdinand parce qu'il me fait des jours qu'il va sauver. Parce que papa nous a mis de nos côtés. On croit la formation supérieure tout depuis mon compte lui même guerrier avant ma vie parler bon côté mon bon côté bah aigri parce que mon peut-être dit non niveau mon côté me vrai pour nous apprendre. Donc dès qu'il s'agit de l'université, de formation de ça intéresse mais pour notre bagaille tout école de connaissances économiques de Gonaïve là son patrimoine guerrier. Patrimoine pour Gonaïf, patrimoine pour pays. C'est des générations que l'école s'est formée. Je dis à moi qu'il y a une nécessité pour préserver ce patrimoine. Je te dis ça tout à l'heure, il est plus grand que moi, il est plus grand que responsable électoral, il est plus grand que ni actuel dirigeant, ni ancien dirigeant. Par contre, c'est bon. Donc, s'il y a un moyen qu'on y a là pour nous attendre nous sur comment nous orienter dans l'école là, tant mieux. École de droit et d'essence économique de Gonaïve là sont ateliers pour Gonaïve. Vous comprenez? À tous les niveaux. Touristique, économique, à tous les niveaux. Je dis assez souple pour le craser. C'est le premier monde qui a dit attention. Il faut faire protéger. Attention. Attention. L'autre bagaille encore, guerrier du seul. Moi-même, je me dis que ça fait mon chita. Puis je me paye pour casser. C'est parce que je me connais. Il y a des causes occasionnelles qui mènent nous là. En sérieux, guerrier du seul. Ou pensez que mauvaise pratique qui est dans l'université date de 2019 à 2020? Il était là avant, oui. Il était là avant. Ou pensez que le toit ou connaît pas de Rouen? Je suis responsabilité, on me dit ça.
ou pas ces responsables au niveau de l'école de droit à l'époque là avec le droit, il n'y a pas de bagadoué, on l'a. On a posé une question à partir de qui moment situation a venu. Alors, question ça, j'ai l'impression que c'est Hervé, ma après le poser. Et tout à l'heure, parce que on a mis qui. Oui, qui dit. La dame dit comme ça que faut le chita ensemble si vous n'avez pas de pays pour casser. Bon, depuis ça m'a parlé. Si on force une balle, il m'a parlé. Mais, ancien dirigeant, il a dit que c'est pas vrai ou encore guerrier. T'es bon moment, c'est comme ça que tu es avec toi. Et vous n'avez pas comme ça. C'est bagage doit être. C'est quoi contact figure ou yoté. Poisson crasé dans bouillon yoté. Donc, relation au vin crasé à partir de moment décision qu'on prend là. Oui, bien entendu, il y a bon raison, il y a bon prétexte. Mais pour ça, Gabot l'a fait avant. Qu'est-ce que tu as parlé à l'IPA date de 2019 à 2020, non? Donne vin jeune moi, fais-moi comprendre qu'il était là bien avant. Hein? Ok. Bon, bah, qui passe? Et c'est après le système gardien la République que ça passe. Bon, ben, j'aime ta parler avec mon proche. Mais, si il y a un mari à un madame qui n'a pas de guerrier, nous sommes bien propres, nous entendons, nous sommes tombés, petite fête guerrier. Et bon, résolvez le problème, nous décidons de divorcer guerrier. Si nous avons un petit peu de temps, nous avons la principale victime. Pas la victime. Non, mon cher. Il va avoir la principale victime. Et nous sommes d'accord avec le tableau ça, avec l'exemple ça. Je dis à des timons qui sont dans l'école de droit. Qui consentit d'énormes sacrifices, qui fait de grands efforts guerriers du seul, pour faire étude de la guerrier, si il y a moyen pour évaluer, par contre, j'en parle comment il va domaine. Garder dossier, évaluer, garder comment vous êtes entré, garder l'examen que vous faites, etc. Si il y a un éliminer, vous éliminer. Mais si il y a un monde qui est bien passé guerrier, et pourquoi pas. Par contre, vous avez. Nous pensons, et il était intéressant par rapport avec. Par rapport avec ça qui a passé. Et parce que c'est pas tout étudiant qui n'a pas l'or, qui n'a faux papier. Ok? C'est pas tout étudiant qui n'a ça. Parce que l'école de droit, son coup l'école liée guerrier, qui a pile dans yo, qui a brillé dans ses rues de barreau, qui a à l'étranger, qui a fait des études supérieures, guerrier du seul, qui est très intéressant. Guerrier. Oui, qui t'est passé. L'école de droit. L'école de droit. Mais c'est pas tout le monde qui saute qui va qui est à l'école de droit. C'est pas tout le monde qui pas fin qui dit ok, bah, tu sais, on a l'école de droit. Il y a des gens qui prennent l'étude là. Très aussi. Et nous voulons, principal acteur, comprendre ça. Et nous avons fini pour nous dire, monde qui n'a. Qui n'a. Commission protocole de tête là. Guerrier du seul. Et on a lu très rapidement. Monde qui n'a. Commission qui a géré l'école là. Dans le moment où on a parlé là. Guerrier du seul. Et c'est. Ok. Ok. Moun yo di mwen ki ap jere. Moun ki ap jere l'école de droit nan mouman la, selon protocole d'attente de la guerrier, yo gon nouveau conseil de direction qui gen la dan moun sa yo par ordre alphabétique, gen Maître Faustin Cupidon, magistrat Octelus d'Orvilien, comme si. Et magistrat Octelus d'Orvilien guerrier, c'est président coup d'appel Gounaïf. Ok. C'est un gros magistrat. Par contre, comment un magistrat fait le signe comme ça? C'est lui qui signe le protocole là pour partir de Gonaïve. Exact. Exact. Or, nous sommes, c'est le magistrat qui a tout signé, note, ok, côté, il te dit, il va reconnaître l'école de droit qui a fonctionné de l'autre côté. C'est parallèlement avec l'école de droit ça, il te signé comme directeur de l'école là, pour te convoquer tout le monde à l'examen. On te comprend. Et puis c'est le magistrat, ça je vous dis, nous avons qui signe un document, protocole de tête ça, côté droit de l'homme à dans le niveau ça. Donc, magistrat Octelus d'Orvilien, son gros bout de ton magistrat. Et gros bout de ton magistrat, je vais vous dire que vous dans le domaine lié. Mais magistrat, sincèrement, les moyens non, en bas document ça, avec tout ça qui est comme faille, Montijan est tombé de nuit. Ok? Mais magistrat Octelus d'Orvilien, il fait partie de nouveau conseil de direction. Et puis docteur Chadrac Saint-Ilien Télusma, là-dedans le tout. Donc c'est au même à toi. Il dit son présidence. Pas présidence, non, son. Mon présidence, c'est toi, même là, c'est pas. Son directoire tournant. Même la CPA. Il dit que vous avez fait un coup de président pendant longtemps, vous avez fait un président. Il dit que le docteur Chadé accepte que tu as le président avant. Okay. Et bien après, CPA va pas tout bagage. Il dit que nous avons l'autre
et structure qui forme tout, qui est le conseil consultatif. Il y a M. Edgar Célus qui l'a donné, économiste Wilton Jean-Baptiste, le docteur Grinson Jeune, l'ingénieur Ravel Norgues, Madame Yvenade Pierre. Madame Yvenade Pierre, ça m'a mis un astérix sur le côté, mon enquête m'a amené. Sous l'île, mon capitaine de la RAIDM. Madame Yvenade Pierre, c'est un 5 mois qui constitue le comité consultatif là. Il y a deux seuls. Voilà. Pour. Oui, il y a un monde qui dit que ça joue, mais c'est grave. Pour me garder attention, il dit que l'université n'a pas de loi organique. Comme si c'est sous disposition transitoire. Bon, ça, c'est l'autre débat, je ne vais pas rentrer là-bas. Je ne vais pas regarder ça. Mais c'est pas grave. Et je dis à si l'université n'a pas qu'à résoudre. Pour crise de guerre. Ou est-ce que tu as aussi mon problème là, je dis à soumettre à l'université à fond. Pour réfléchir. Ou est-ce que tu as on va parler de gros problème. Oui, oui, oui. Vous mettez qu'à l'ancien culture, ancien étudiant. Et en bas, actuellement de justice. Non, pile gros avocat. Un pile gros avocat passé dans l'école de la OK. Alors, et bon, nous, tout à l'heure, nous avons pour nous parler avec M. Jean-Eugène Pierre-Louis, pour décider tout à l'heure, comme signataire encore pour rectorat et également comme coordonnateur d'affaires juridiques dans UEH. Là, mais bien avant, bon, nous attendons Hervé Saint-Ulus, qui lui-même tout, c'est étudiant dans l'école de droit Gonaïve, comme coordonnateur général rassemblement étudiant exégio. Hervé Saint-Ulus, bonjour. Bonjour, bonjour Johnny. Bonjour étudiant net qui a été dans la bataille. Comment vous étudiant brasse, étudiant raquette? Comment vous trouvez dirigeant pour la guerre? Hervé, bon nous retournons. Hervé Saint-Ulus, bon nous retournons au appel là parce que nous avons ça passe le téléphone là, hein, qui a pu changer voix mon yo. S'il vous plaît, bon moi. Téléphone n'a pas là longtemps. Téléphone n'a pas là longtemps, parce que ça, non? Ok. Bon, non. Vous avez dit que c'est après, vous n'avez pas là longtemps. Ok. Combien il est? 14. Et ça gagne là, vous n'avez pas? Bon, il y a 16, il ah bon? Allez, dis-moi comme ça. Bon, c'est pas grave.